Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Alice et aujourd'hui je vous propose de réaliser avec moi votre premier bonnet sans couture. Il s'agit d'un bonnet qui se tricote avec des aiguilles circulaires. Le tuto de ce bonnet est réalisé en partenariat avec Perle & Co. Vous pouvez retrouver tout le matériel nécessaire pour tricoter ce bonnet donc sur le site de Perle & Co. Alors en termes de matériel, pour réaliser ce bonnet, vous allez avoir besoin de deux pelotes de fil. En l'occurrence, j'ai choisi les pelotes Essential Alpaca Blend Chunky de Rico Design dans ce magnifique rose. Donc deux pelotes, ce fil se tricote avec des aiguilles 6 mm. Donc vous allez avoir besoin de vous munir d'aiguilles 6 mm. Pour tricoter ce bonnet, vous allez avoir besoin d'aiguilles circulaires, donc des aiguilles qui sont reliées par un câble. Et vous aurez également besoin d'aiguilles 5 mm. Donc soit vous avez des aiguilles interchangeables, donc ici je peux dévisser mes aiguilles 6 mm et les remplacer par les 5 mm, soit vous achetez deux paires d'aiguilles, une 6 mm, une 5 mm. Le tout, il faut absolument qu'elles soient reliées par un câble parce que nous allons tricoter en rond. En termes de petit matériel, vous allez également avoir besoin d'une paire de ciseaux et puis d'une aiguille à laine. Donc c'est une aiguille qui a un chat suffisamment grand pour pouvoir rentrer le fil qu'on va utiliser pour tricoter. Ça nous permettra de rentrer les fils à la fin, de faire les finitions. Et puis après, en termes de customisation, on va réaliser un pompon. Donc si vous voulez faire un pompon, il vous faudra du fil pour le pompon. Soit vous avez du matériel comme ceci, des petits outils qui permettent de fabriquer des pompons, mais ce n'est pas obligatoire. Les deux bons vieux disques en carton font très bien l'affaire. Et puis ensuite, enfin, si vous voulez réaliser une petite broderie pour customiser votre bonnet, il vous faudra du fil à broder. Ici, j'ai plusieurs échevettes de fil DMC, notamment des dorés et des beiges. Et il vous faudra donc aussi une aiguille à broder pour broder le bord côte de votre bonnet si vous avez envie. C'est parti, on va passer à la réalisation du bonnet. Alors commencez par vous munir l'une des pelotes et de vos aiguilles circulaires 6 mm. Donc il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que ce soit des aiguilles reliées par un câble parce qu'on va tricoter en rond. Au départ, on va utiliser les aiguilles 6 mm pour faire le montage des mailles. Donc je retire l'étiquette de la pelote. Je trouve une des extrémités. Et on va monter les mailles. Pour monter les mailles, donc pour faire finalement un premier rang de mailles sur nos aiguilles, on va utiliser une méthode qui s'appelle la méthode continentale pour monter les mailles. En anglais, cette méthode s'appelle aussi long tail cast on parce qu'on garde un long fil, on sort de la pelote un long fil avant de commencer notre montage. Pour mesurer la longueur de fil à garder, on va prendre à peu près 3 à 4 fois la taille de notre projet. Donc là aujourd'hui je vais faire un bonnet qui mesure environ 50 cm de circonférence, donc je vais me garder 1,50 m à 2 m de fil avant de commencer mon montage. Donc là je suis à peu près, ça n'a pas besoin d'être précis, il vaut mieux garder un petit peu plus que pas assez. Mais vous voyez ici je me suis gardé à peu près 50 cm x 4 et on va pouvoir commencer le montage continental. Donc on va avoir d'un côté petit fil restant et puis d'un autre côté à droite on a la pelote. On commence par faire un nœud coulant. Pour faire un nœud coulant, on entoure le fil autour de nos doigts et puis ensuite on récupère le fil par la boucle. Ça va créer une première maille, donc on a une petite boucle ici qui va être notre première maille, donc on va pouvoir la mettre sur une de nos aiguilles, peu importe laquelle. On serre autour de l'aiguille, mais pas trop. Ça sert à rien de serrer trop non plus, qu'après ce sera plus dur pour piquer dans la maille par la suite. Donc on fait en sorte qu'elle tienne à peu près autour de l'aiguille, mais pas besoin de serrer de façon trop importante. Donc une fois qu'on a mis le nœud coulant sur notre aiguille, donc ça forme notre première maille,
On va en faire 71 autres. Et donc pour cela, donc toujours le fil, notre bout de fil côté gauche, notre pelote côté droit. J'entoure le fil qui vient de la pelote autour de ma main pour former une boucle. Je passe mon aiguille de la droite dans cette boucle et je pince mon aiguille avec ma main droite. Je vais venir prendre le fil avec ma main gauche, mon fil restant, entourer mon aiguille. Et ensuite, j'ai une boucle sur ma main droite que je viens passer par-dessus mon aiguille également. Je peux ensuite tirer les deux fils, donc toujours un petit peu, mais pas trop serré. Et on a fait une deuxième maille. Donc on en fait comme ça. Il faut qu'à la fin, on ait 72 mailles sur nos aiguilles. J'en fais une deuxième. Donc on entoure le fil venant de la pelote autour de notre main droite. On place l'aiguille dans la boucle par l'arrière, on pince l'aiguille, on revient entourer l'aiguille avec notre fil avec la main gauche et on passe la boucle avec notre main droite par-dessus l'aiguille. Voici ce que ça donne. Donc là, j'en ai 6. Et il faut que je fasse ça jusqu'à en avoir 72. Donc voici le rendu. Une fois que vous avez monté vos 72 mailles, donc il vous reste juste un petit bout de fil, du fil que vous aviez gardé de plus d'1,50 m de long. Il faut qu'il y en ait une longueur suffisante pour pouvoir rentrer le fil après. Donc si vous en reste à peu près 8-10 cm, c'est bien. Et donc vous avez le fil qui va vers votre pelote, bien entendu, qu'on va utiliser pour tricoter. Donc là, on a monté nos mailles sur des aiguilles 6 mm et le bord-côte, on va le tricoter avec des aiguilles plus petites pour que ça serre bien et que ça tienne bien au niveau de la tête. Donc, si vous avez des aiguilles circulaires interchangeables, vous avez juste à dévisser l'aiguille de droite et puis à revisser l'aiguille plus petite de 5 mm. Et au contraire, si vos aiguilles sont circulaires mais fixes, c'est-à-dire uniquement sur un câble et que vous ne pouvez pas les dévisser, ça vous donne alors quelque chose comme ça. Vous avez des aiguilles 6 mm, vous avez des aiguilles 5 mm. Et alors, on va tricoter avec les aiguilles 5 mm. Donc dans la main droite, on prendra l'aiguille circulaire 5 mm. Dans la main gauche, l'aiguille circulaire 6 mm. Donc la première étape, c'est qu'on va faire un premier rang préparatoire en côte 1-1, donc qui s'alterne maille en droit, maille envers, maille en droit, maille envers jusqu'à la fin du rang. Et puis ensuite, on va joindre en rond parce que l'idée, c'est de faire un bonnet sans couture. Mais pour démarrer, on va faire un premier rang à plat. Ce sera plus simple pour la suite, pour la partie joindre en rond justement. Donc moi, je dévisse ma 6 mm et je visse une 5 mm. Pour tricoter à plat, même s'il y a un câble entre vos deux aiguilles, vous faites comme d'habitude quand vous tricotez à plat, c'est-à-dire que vos mailles sont dans votre main gauche, l'aiguille dans votre main droite est vide et on va passer les mailles de la gauche vers la droite.
Et donc, on va commencer à réaliser le bord côte, donc comme j'ai dit, en alternant des mailles en droit et des mailles en vert. Donc la première, on va faire une maille en droit. Donc je pique par la gauche de ma maille. J'enroule mon aiguille droite et je récupère le fil en faisant bascule avec mon aiguille droite. Et ensuite, la maille qui était à l'origine sur mon aiguille gauche, je l'enlève et elle se retrouve sur mon aiguille droite. Donc ça, c'était une maille en droit. Et la deuxième maille, je vais faire une maille en vert. Donc pour faire une maille en vert, il faut que je repasse mon fil devant. Donc j'ai mon fil qui va vers la pelote. Je le passe entre mes deux aiguilles. Et au lieu de piquer à gauche de la maille, je pique à droite de la maille. J'enroule. Et au lieu de faire levier vers l'avant, là je fais levier vers l'arrière pour récupérer le fil avec mon aiguille droite. Et ensuite, j'enlève ma maille de mon aiguille gauche. La troisième maille, vu que là je viens de faire une maille en vert, je vais faire une maille en droit. Et comme vous voyez, je repasse mon fil derrière mon ouvrage. Donc, entre les deux aiguilles, je repasse mon fil entre les deux aiguilles et je le mets à l'arrière pour tricoter une maille en droit. Maille en droit, je passe par la gauche de ma maille, j'enroule. Je bascule, je récupère ma maille et je l'enlève de l'aiguille gauche. Ensuite, une maille en vert, donc je repasse mon fil devant. Maille en droit, je repasse derrière. Maille en vert, je repasse devant. Et donc vous allez commencer à voir le motif se réaliser. Quand vous faites des mailles en vert, vous avez une petite bosse là qui apparaît. Quand vous avez fait des mailles en droit, il n'y en a pas. Ça fait deux petites lignes sous la maille. Donc c'est aussi comme ça que vous pouvez vous repérer si vous nous interrompez ou vous ne savez plus où vous en êtes. Là, j'ai la petite ligne horizontale, donc je sais que j'ai fait une maille en vert. Donc il faut que je passe, donc il faut que mon fil soit derrière et que je fasse une maille en droit. En droit. Je repasse mon fil devant, en vert, et on va faire ça tout le rang, donc jusqu'à avoir tricoté les 72 mailles du rang. Donc là, je viens de finir mon rang de côte 1-1. Donc, j'ai commencé mon rang par une maille en droit et je finis mon rang par une maille en vert. Comme ça, après, quand on va joindre en rond, ça sera bien aligné. On va continuer le bord côte et si vous avez utilisé des aiguilles, si vous utilisez des aiguilles circulaires interchangeables, pensez à modifier l'aiguille 6 mm et la remplacer par une 5 mm. Si au contraire, vous utilisez des aiguilles circulaires non interchangeables, ça aura été fait dans la foulée, lorsque vous avez fait votre changement initial. Donc là, j'ai deux aiguilles 5 mm et on va joindre en rond. Alors, pour la joindre en rond, plusieurs choses à savoir avant de démarrer la manipulation. Quand on tricote à plat, je vous l'ai dit tout à l'heure, nos mailles. On a toutes nos mailles dans la main gauche et puis ensuite on les fait passer sur l'aiguille de la main droite. Là, pour le coup, du coup, ça va être l'inverse. Lorsqu'on va commencer, on va mettre notre aiguille avec les mailles et surtout le fil qui va vers la pelote dans la main droite. Et pour l'instant, on a l'aiguille vide dans la main gauche. L'objectif quand on joint en rond, c'est que ici, vous voyez, ça c'était la fin de mon rang. La prochaine maille que je vais devoir tricoter, c'est celle-ci, justement. Ça va pas être celle-là, ça va être celle-ci. Donc ça va créer justement une boucle.
Pour réussir à tricoter cette maille, là on voit bien que c'est impossible. Il va falloir remonter nos mailles qui sont ici sur notre aiguille gauche. Donc je vais pour cela ressortir une partie de mon câble ici, peu importe où, mais à peu près à la moitié du nombre de mailles. Je ressors, hop, mon câble en tirant à travers deux mailles. Et je vais ainsi pouvoir remonter mes mailles pour les faire remonter en haut de mon aiguille. Hop, hop, hop. Grâce à cette boucle que j'ai créée sur mes aiguilles circulaires. Donc, maintenant, je me retrouve avec des mailles en haut de mon aiguille droite et des mailles en haut de mon aiguille gauche. Donc, le plus important à se rappeler, c'est que le fil qui va vers votre pelote doit être dans votre main droite. Et c'est du coup l'autre côté, les mailles de l'autre côté qu'on va tricoter. Deux dernières choses avant de se lancer dans le tricot en rond. Avant-dernière chose plutôt. Il faut que toutes nos mailles soient dans le même sens. Alors hop. C'est pour ça qu'on a tricoté un premier rang de côtes pour que ce soit plus facile pour les mettre toutes dans le même sens. Mais vous voyez, je vais hop ici. Les mailles, donc mon tricot va vers l'intérieur sur cette aiguille droite et puis va vers l'intérieur aussi sur l'aiguille gauche. Donc c'est ça qu'on cherche à obtenir. Faut pas que ça soit dans l'autre sens, pas que ça soit vrillé, sinon on va pas réussir à tricoter un tube. On fait bien attention à ce que notre tricot ne soit pas vrillé. Et puis dernier point avant de tricoter en rond, c'est que vu qu'on va tricoter finalement en rond, on dit en rond, mais en réalité c'est en spirale, on va avoir du mal à garder trace de notre début de rang si on tricote juste comme ça. Donc les mailles, à un moment donné, on voit plus trop la différence, laquelle est la première ou laquelle n'est pas la première. Donc on va utiliser un petit marqueur de début de rang qu'on va glisser sur notre aiguille ici. Qu'on va glisser, ouais, sur notre aiguille droite. Alors j'ai des petits marqueurs, j'en ai différentes sortes. Donc moi j'aime bien utiliser ça. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser, si vous débutez le tricot, vous n'avez pas forcément des marqueurs adaptés, vous pouvez aussi utiliser des petites épingles à nourrice en poule ou simplement mettre un petit morceau de fil d'une autre couleur. Vous voyez, attacher un petit morceau de fil comme ça. C'est juste pour repérer finalement l'endroit où s'arrête et débute le prochain rang. Donc, maintenant que tout est prêt, donc je vais mettre mon marqueur de début de rang. Vous voyez, je l'ai juste enfilé sur mon aiguille. On va pouvoir tricoter. Donc, je suis bien comme ceci. J'ai dans ma main droite des mailles avec le fil qui va vers la pelote. Et je vais tricoter la maille de l'autre aiguille. Donc ici, je commence par une maille en droit. On va continuer à faire des côtes 1-1. Donc on va continuer à tricoter des alternances de mailles en droit et de mailles envers. Donc première maille, une maille en droit. Et pareil, je la glisse de mon aiguille gauche vers mon aiguille droite. Donc elle se retrouve vraiment juste à côté de celle qu'on a tricotée juste à présent. Et c'est comme ça qu'on arrive à tricoter un tube. La deuxième maille, je fais une maille envers. Troisième maille, une maille en droit. Et je vais tricoter comme ça tout mon rang. Alors d'abord, il y aura une petite manipulation à faire quand je vais arriver au niveau de ma boucle ici. Mais je vais vous montrer ça. Donc maille en droit, maille envers. Je remonte bien mes mailles le long de mon aiguille pour que ce soit plus facile à tricoter. Donc là je suis rendue à tricoter la dernière maille avant ma boucle formée par mon câble. Donc c'est une maille en droit, mais vous c'est peut-être une maille envers.
Et là, je me retrouve avec plus du tout de maille sur mon aiguille gauche. Donc, ce que je vais faire, c'est retirer mon fil à un autre endroit. Hop. Ici, par exemple, peu importe où je tire pour remettre les mailles sur mon aiguille gauche. Et je continue de tricoter mon rang. Donc là, je suis rendue à une maille en vert. Et donc vous faites ça jusqu'à arriver à votre marqueur de début de rang. Et après, vous allez pouvoir reprendre un nouveau rang de la même façon. Donc là, je viens de tricoter la dernière maille de mon rang. Donc c'est une maille en vert. Et au bout de mon aiguille gauche, j'ai mon marqueur de début de rang. Donc quand j'arrive à ce marqueur, je le glisse simplement de mon aiguille gauche à mon aiguille droite et ça m'indique que je vais commencer un nouveau rang. Donc là, je refais la même chose, un nouveau rang de maille en droit et maille en vert. On tricote jusqu'à obtenir 16 cm de tricot en côte 1-1. Voici le rendu une fois qu'on a tricoté 16 cm de côte 1-1. Hop, je prends mon mètre pour vérifier. Donc environ 16 cm. Donc là, on a fait le bord côte. Vous avez dû voir quand même sur le modèle que c'est pas aussi grand aux portées. Mais en fait, c'est parce que quand on aura fini le bonnet, on va venir replier ce bord côte en deux. Et comme ça va vraiment faire un bonnet très douillet et très doux, qui tient bien chaud au niveau des oreilles, avec 8 cm de bord-côte doublé. Donc maintenant, on va passer à l'étape suivante. On va aussi changer d'aiguille pour tricoter le reste du bonnet sur des aiguilles plus grosses. Donc, je me suis munie de mes aiguilles 6 mm. Et je vais changer donc en priorité l'aiguille qui sera dans ma main droite. Dans un premier temps. Je défais un petit peu de fil. J'ai mon marqueur qui est tombé, donc je vais le remettre. Mon marqueur de début de rang que je remets sur mon aiguille droite. Et là, l'idée va être de tricoter des mailles en droit tout le rang, que en droit. Ça va être beaucoup plus simple. Que en droit, tout le rang. Et on va répéter ce rang jusqu'à atteindre 10 cm. Donc là, on va faire que des mailles en droit. Alors tout à l'heure d'ailleurs j'ai retourné mon tricot, vous allez peut-être pas savoir comme ça de prime abord quel est l'envers, quel est l'endroit de votre tricot. Donc là je sais bien que pour moi ça c'est l'endroit. Si je le tricotais sur l'envers, voilà, tac, comme ça, et bien je tricoterais ici sur la face qui est la plus près de la table à l'endroit. À l'extérieur il y a l'envers. Et vous le repérez parce que voilà, ça fait des petites vagues. Et pour tricoter sur l'endroit, bah vous repassez votre tricot hop par l'intérieur. Et vous êtes en train de tricoter, pas sur la partie la plus proche de la table justement, mais au contraire, la partie du bonnet la plus proche de vous. Donc là, je m'apprête à finir mon premier rang. Et donc justement attaquer le deuxième, hop, je glisse mon marqueur, j'attaque le deuxième rang et vous allez commencer à voir que les mailles en vert qu'on faisait sur le bord-côte, ben, on voit bien qu'il y a une petite cassure, donc là c'était le bord-côte, désormais il n'y a plus les petits traits horizontaux sur l'endroit. J'ai deux rangs, j'attaque mon deuxième rang de maille en droit.
Et donc c'est à partir de la fin de ces petites traits horizontaux que vous comptez 10 cm. Mais je vous montrerai de toute façon le rendu une fois que j'aurai tricoté également cette partie-là. Alors à un moment donné, vous allez arriver au bout de votre première pelote. Il va vous manquer de fil et vous allez devoir utiliser la deuxième pelote. Donc arrêtez-vous de tricoter lorsqu'il reste un peu plus de 10 cm de fil de votre première pelote. Sortez votre deuxième. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tricoter une maille avec les deux fils en même temps. Vous allez piquer dans la maille avec votre aiguille. Vous allez enrouler votre maille avec le fil dont il reste très peu. Hop. Et vous allez aussi faire de même avec le fil provenant de la nouvelle pelote. Donc ici, j'ai le petit bout. Donc pareil, on laisse une dizaine de centimètres et on met notre nouveau fil. On le coince également par-dessus notre aiguille et on fait bascule en récupérant les deux fils. Donc attention, ça va vous faire une maille avec deux brins. Donc au prochain rang, il faudra faire attention. Donc potentiellement, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un petit marqueur ampoule pour vous repérer cette maille, pour bien que vous fassiez attention à la tricoter qu'une seule fois au prochain rang. Mais cette technique en fait permet de changer de pelote sans qu'il y ait de trou au niveau de changement du changement de fil. Et après vous continuez de tricoter avec votre deuxième pelote. Donc à l'arrière du tricot, vous avez bien vos deux fils, l'extrémité, la fin de votre première pelote et le début de votre deuxième pelote. On rentrera ces fils proprement une fois qu'on aura terminé la partie tricot. Donc là, j'ai fait une bonne partie du jersey, mais je n'ai pas encore fini. Je vais continuer et je vous montre la prochaine étape après. Une fois que vous avez atteint 10 cm depuis votre bord-côte, donc ici il y a 10 cm de tricot, en jersey en droit. On va maintenant passer à la couronne de diminution pour pouvoir fermer le bonnet. Donc on a toujours notre marqueur de début de rang ici. Sur le rang qui va suivre ici, je vous invite à vous munir d'autres marqueurs pour vous faciliter la tâche par la suite. Donc comment on va réaliser la couronne de diminution? On va alterner des rangs avec des diminutions et puis avec des rangs où on tricote tout le rang normalement, un rang sur deux. Pour ce premier rang de diminution, je vais tricoter 10 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10 mailles à l'endroit. Et ensuite, les deux suivantes, donc les deux mailles suivantes, je vais les tricoter ensemble à l'endroit. Donc on va passer de deux mailles à une maille, et donc il s'agit d'une des techniques qui permet de faire des diminutions. Donc pour tricoter deux mailles ensemble, je vais venir piquer par la gauche de ma maille, de la deuxième. Je pique dans la deuxième, je pique dans la première également. J'enroule mon aiguille droite et ensuite je fais levier pour récupérer mon fil. Et donc j'ai transformé deux mailles en une maille. Et ensuite, si vous voulez mettre des marqueurs, vous pouvez mettre un marqueur ici. Et on va faire ça tout le rang. 10 mailles en droit, une diminution. 10 mailles en droit, une diminution, jusqu'à ce qu'on arrive à notre marqueur de début de rang.
Donc là, je viens de finir ce premier rang de diminution. Vous avez dû faire la répétition 10 mailles en droit, 2 mailles ensemble, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois, jusqu'à revenir à votre marqueur de début de rang. Le prochain rang va être que des mailles en droit. Donc au rang 2, que des mailles en droit, jusqu'à revenir à notre marqueur de début de rang. Et quand on va arriver à un marqueur, on a simplement à le glisser comme le marqueur de début de rang. Je le glisse pour le laisser au même endroit et qu'il me serve de repère au rang suivant lorsque je vais devoir faire une diminution. Donc là, je viens d'arriver à mon marqueur de début de rang, je viens de terminer le rang 2. Donc je vais repartir sur un rang de diminution. Je vais tricoter à l'endroit jusqu'à 2 mailles de mon marqueur et les 2 mailles restantes, je vais les tricoter ensemble. Normalement, on arrive à 9 mailles en droit, une de moins qu'au premier rang. Et il me reste 2 mailles avant le marqueur à tricoter ensemble. Hop. Voilà, et ensuite je glisse mon marqueur et je recommence 9 mailles en droit, 2 mailles ensemble. Donc, pour récapituler, donc vous faites ce rang de diminution qui est le troisième rang avec des diminutions. Le quatrième rang est un rang pair, donc vous allez tricoter tout à l'endroit. Cinquième rang, rang impair, donc vous allez faire des diminutions, toujours à 2 mailles de votre marqueur. Vous allez faire ça pendant 10 rangs en tout. Et le détail rang par rang de cette couronne de diminution est disponible sur le site de Perle & Co, sur mon blog et même en téléchargement PDF si vous préférez suivre une version écrite sur papier. Je viens de finir le rang 10, donc on voit bien tous les rangs où on a fait des diminutions. Ça fait une petite ligne ici, au niveau de chaque marqueur. C'est l'emplacement où on a fait nos 2 mailles ensemble à chaque fois. Donc là, on a fait 10 rangs, donc en alternant des rangs de diminution et des rangs à tricoter tout le rang à l'endroit sans diminution. Il nous reste plus que 4 rangs à faire et sur ces 4 derniers rangs, on va faire des diminutions à chaque rang. Donc on va faire la même chose que ce qu'on a fait pour les rangs impairs, mais on va le faire les 4 derniers rangs. On arrive sur un nombre de mailles qui commence à être assez restreint. Une circonférence assez petite, donc il est possible que vous ayez un petit peu plus de mal à tricoter. Habituellement, on faisait une boucle et on séparait nos mailles en deux, comme ceci. Là, il va être temps de faire deux boucles pour pouvoir être plus à l'aise pour le tricot en rond. Donc j'en fais une boucle à un tiers, ici, hop, à peu près, une boucle de l'autre côté, donc je fais une boucle à gauche, une boucle à droite et je rapproche mes mailles à chaque fois de la pointe de mes aiguilles. Et donc là, je peux me remettre à tricoter. Donc là, rang 11, je fais des diminutions. Donc je tricote une, deux, trois, quatre, 5 mailles et je fais comme d'habitude sur les rangs de diminution les 2 dernières mailles avant le marqueur, je les tricote ensemble. Je glisse mon marqueur, je vais faire la même chose encore. Donc là, rang 11, on fait des diminutions avant chaque marqueur, rang 12 aussi, rang 13 aussi et rang 14 aussi. Alors une fois que vous avez fait vos 4 rangs de diminution, voici ce que ça doit donner. Il doit vous rester 3 mailles entre chaque marqueur. Il vous reste vraiment plus beaucoup de mailles sur vos aiguilles. Et on va refermer le bonnet à l'aide d'une aiguille à laine. Donc vous allez pouvoir
coupez le fil qui va vers votre pelote en gardant une vingtaine de centimètres de fil. Et enfilez votre fil, votre aiguille sur votre fil. Ensuite, donc repérez bien d'où vient votre fil. Donc ici, il vient de la. C'est celle-ci la dernière maille. Celle-ci, c'est la dernière maille où vient mon fil. Et je vais donc ici. C'est la première maille de mon rang. Donc, on va avoir besoin. Donc, de remettre déjà l'aiguille, les mailles sur l'aiguille. Donc, je glisse mon câble, je tire sur mon câble pour pouvoir remettre un peu de maille sur mon aiguille. Je me mets dans la même position que quand je tricote, c'est-à-dire que je mets mon aiguille à laine dans ma main droite et je vais glisser une à une mes mailles sur mon fil restant à l'aide de mon aiguille à laine. Donc pour faire cela, je pique dans la maille comme pour la tricoter à l'envers, donc de droite à gauche, et puis je l'enlève de mon aiguille gauche. Je vais faire ça sur toutes les mailles. Je peux enlever les marqueurs. Donc là, j'en ai fait une partie. Je peux tirer sur le fil et je vais faire l'autre partie des mailles. Donc là, toutes mes mailles sont sécurisées sur mon fil et vous pouvez tirer sur ce fil pour refermer le haut du bonnet. Ça doit vous donner cela. Donc toute la partie tricot est terminée. On va maintenant passer aux finitions. Donc on a quelques fils à rentrer. Celui du démarrage, on en a aussi à l'intérieur. Deux à rentrer. Alors on va commencer par rentrer le fil de démarrage. Donc pour cela, j'utilise mon aiguille à laine. Et puis d'abord je vais aller faire un petit point pour resserrer un petit peu. Vous voyez ici c'est un peu détendu par rapport au reste du bonnet. Donc je vais aller refaire un petit point ici qui va resserrer par là. Donc je vais venir simplement piquer dans la bordure de mon bonnet. Et puis créer une sorte de maille, donc repiquer après là d'où vient mon fil, c'est celui-là, donc je vais repiquer au même endroit pour créer une maille, une fausse maille. Tac. Donc comme ça, ça resserre bien. Ça resserre bien et mon bord est désormais homogène. Quand je suis dans les côtes, je viens repérer une ligne de maille et je vais venir repasser dedans. Vous voyez, la maille fait comme ça. Donc je vais venir passer en dessous. Ensuite, je repasse dans celle d'en dessous, à nouveau en dessous de brin.
et je vais remonter le long de mon tricot. Faites attention à bien retourner et à vérifier que c'est bien visible sur l'endroit, parce que là le bord-côte va être retourné, donc cette partie-là, ça va être l'envers, donc je vais retourner mon bord-côte comme ceci, donc ici sur l'endroit il faut que ce soit joli. Et je continue un petit peu pour garder la même tension que le fil quand j'ai tricoté. Allez, une dernière fois et puis je vais couper. Donc je vais couper, mais je vais laisser une partie dépasser pour le moment parce que je recouperai plus précisément une fois que j'aurai lavé mon bonnet. Donc pour l'instant je coupe en laissant 2-3 cm de marge. Je vais retourner désormais pour rentrer les deux fils ici et on va utiliser une autre méthode. Donc là, je n'ai pas gardé beaucoup de fil au final. Donc je vais rentrer les fils un à un, d'abord un côté, ensuite l'autre. Je mets ma main dans le bonnet et l'objectif, ça va être de retracer le même chemin que la laine. Donc mon fil, j'en ai un proche qui passe là, qui passe du coup sous ce fil là. Ensuite, il passe sous celui-là. Il fait une boucle par-dessus et il redescend. Il redescend en passant ici. Donc l'objectif, c'est vraiment de suivre le fil du tricot et de reproduire le même chemin. Et vous allez faire pareil avec l'autre fil. Donc pareil, on ne tire pas trop, on essaie de garder la même tension que lorsque vous l'avez tricoté. Voilà, bah, normalement ça doit être invisible. De l'autre côté. Donc vous faites pareil avec l'autre fil. Donc là pour l'instant je le coupe pas plus, je le couperai davantage une fois qu'il sera lavé. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ensuite on va passer à la customisation. En termes de customisation, vous pouvez opter pour un pompon soit de la même couleur que le bonnet, soit un pompon contrastant. Donc là, au final, il me reste plus de la moitié de ma pelote de rose. Donc je pense que je vais faire mon pompon rose cette fois-ci. Et je vais utiliser mes petits outils pour créer des pompons. Et donc, les outils pour faire des pompons, c'est également de la marque Rico Design, comme ce fil-là. Ce sont des outils Rico Design qui sont aussi disponibles sur le site de Perlingo. Si cela vous intéresse, mais ce n'est pas du tout une obligation, vous pouvez aussi faire des pompons avec en découpant deux disques en carton et puis en utilisant ces disques pour créer vos pompons. J'ai pris la plus grosse taille. L'outil qui me permet de réaliser le plus gros pompon. Je ne sais plus quelle taille ça va faire. 9 cm. J'ai un petit fil doré sur mon bureau. Je crois que je vais rajouter une petite touche de doré aussi, vu que dans la broderie, je vais mettre du doré. Je finis ça et je vous montre le rendu terminé de mon pompon.
Donc là, j'ai mon bonnet et mon pompon. J'ai bien gardé les deux fils qui m'ont permis d'attacher les fibres de mon pompon un peu plus longues. Je ne les ai pas coupées parce que ça va me servir pour attacher le pompon au bonnet. Et en fait, je vais utiliser le fil qui est ici sur la fin de mon bonnet et ça, je vais faire un nœud entre les deux pour attacher le pompon au bonnet. Donc en fait, je vais rentrer ça à l'intérieur. Je vais faire quelques tours supplémentaires pour bien être sûr que mon... Je vais faire un tour supplémentaire en passant à peu près dans les mailles pour être sûr que ça reste bien fermé. Je vais enfiler ces deux fils-là pour les faire passer à l'intérieur du bonnet. J'en ai pas gardé beaucoup de fils. J'espère que ça va aller. Faire les deux en même temps si possible. Tac. Par l'extérieur, je fais passer les fils à l'intérieur du bonnet avec mon aiguille, hop là, ça, et maintenant je retourne sur l'envers et j'ai mon fil de bonnet et mon fil de pompon que généralement je fais un nœud. Si vous voulez que ce soit interchangeable, vous pouvez faire une petite boucle. Voilà. Je coupe l'excédent. Je m'en garde un petit peu parce que j'aime bien des fois pouvoir y revenir. Soit le retirer, le pompon. Bref. Tac. Et voilà, le pompon. Et... Et maintenant on va passer à la petite broderie qu'on va faire en doré. Donc moi j'ai choisi de faire dans ce fil, donc c'est le DMC coloris E677. Alors on va faire une broderie assez simple, notamment parce que le fil DMC métallisé ce n'est pas un des plus faciles à travailler. On va faire une ligne, on va reproduire une ligne de maille sur le bord côte. Il n'y a pas vraiment besoin de connaissances en broderie. Donc on va suivre finalement les mailles de d'une des lignes du bord côte ici. J'ai enfilé mon aiguille à laine sur mon fil. Mon fil, je le mets sur l'envers. J'ai pas fait de nœud, j'entrerai le bout de fil après. Et je vais reproduire une maille. Donc je vais garder mon petit fil pour le rentrer par la suite. Donc si je veux reproduire une maille, il faut que ici la boucle elle descend. C'est cette maille là que je cherche à reproduire. Donc elle descend par ici et ensuite elle va remonter. Hop, oui, donc là elle descend, elle remonte par là. C'est emprisonné. Ensuite, je la fais ressortir sur le devant. Je vais suivre la prochaine maille. C'est une broderie qui est assez simple mais qui va permettre aussi de garder, de ne pas avoir de risque de perdre l'élasticité du bord-côte. Et ça fera un
Petit détail un petit peu original sur le bonnet. Et finalement, j'ai troqué mon fil DMC pour la Creative Lamé de Rico Design, qui est plus facile à travailler et dont je trouvais le rendu plus joli. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de Perlenco ou sur mon blog pour obtenir les explications écrites si c'est plus clair pour vous. J'espère que vous prendrez plaisir à tricoter ce bonnet et si vous le réalisez, je vous invite à nous le partager sur les réseaux sociaux en taguant Alice Gerfaux ou Perlenco. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut !